Bonjour mes très chers, merci d'être là encore un jour avec moi. Je suis très contente d'être là, toujours avec les travaux parce qu'il vient de commencer, puis il faut faire avec. Merci de m'accompagner dans ces moments. Et puis aujourd'hui, avant de commencer ce petit message avec les tarots, je voudrais vous chanter, parce que ça vient comme ça, le mantra de Om Asatoma, Asatoma Mantra. Et je vais vous laisser dans les commentaires les mantras, sa signification et comme ça on fera une vidéo plus rapidement pour ceux qui sont pressés, d'accord? Donc, comme d'habitude, je vous dis, fermez les yeux, concentrez votre attention dans votre propre souffle et laissez que le son de sanskrit puisse travailler en vous pour votre bien, d'accord? Donc, on se pose quelques instants. Asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya om asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya om asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya Om Shanti Shanti Shanti. D'accord, mes très chers. C'est un mantra de guidance et j'espère que vous allez aimer et ça a résonné dans votre cœur. Donc, on va faire un petit tirage aujourd'hui pour vous avec les tarots égyptiens aujourd'hui. On va voir quel est le message ici pour certaines parmi vous, en espérant que ça vous aide en quelque sorte, en quelque part de vous. Vous savez quoi? Il y a des moustiques qui sont en train de me bouffer partout. Là, c'est vraiment un super test dernièrement. Et puis, oui, je mets des sprays et tout, mais ils trouvent, je ne sais pas comment ils font, ils trouvent toujours des endroits où il n'y a pas de produits au moins. C'est quand même hallucinant. Et puis, il faut que je les tienne quand même. Et du coup, il y avait les deux des cartes, vous l'avez vu avant. Il y avait les rois des bâtons et ça continue à sortir. Et les rois des bâtons, c'est quelqu'un, et peu importe si vous êtes une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui est très déterminé et qui va avoir toujours ce qu'il veut avoir. Parce qu'il est un guerrier. Il est un guerrier qui se bat, qui lutte, qui ne laisse pas tomber, qui n'y quitte pas, qui ne quitte pas, qui est vraiment déterminé à quelque chose. Déterminé à quelque chose. La carte qui était juste et sortie de cet tarot, c'était les six des bâtons, la victoire, la reconnaissance pleine de votre pouvoir et votre capacité. Et donc, vraiment, vous allez réussir à ce que vous voulez, mais parce que le plus important, c'est que vous avez réalisé et vous êtes rendu compte de votre puissance, votre pouvoir et les vraies capacités les plus élevées qu'il y a en vous, ok? Disons que maintenant, vous n'avez plus de doutes. Vous avez réalisé en vous la liaison avec votre âme et c'est bien, il y a un nœud maintenant qui n'existait pas avant. Et il y a des nouveaux pactes, il y a des nouvelles énergies. la tempérance, guidance, et cette liaison, cette nouvelle liaison, ces nouveaux liens qu'il y a entre vous, votre âme et votre propre capacité, et, ça vous amène à un état de patience naturelle et de laisser faire les choses à son rythme. C'est un état de calme et de guidance. Vous voyez clair, il n'y a plus de doutes. Il n'y a plus de doutes. Voilà. Nouvel horizon, nouvelle reconstruction, nouvelle construction de la vie. Et
c'est la fin d'un cycle où vous êtes vraiment, vous avez fait vraiment des efforts, vous avez donné tout ce que vous saviez de tout cœur avec des sentiments très profonds et très intenses ici. Et donc maintenant, vraiment, des paroles véritables. Il y a le téléphone qui vient de biper, donc ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, il y a vraiment maintenant une période de manifestation incroyablement belle, ok? Donc, je vais vous laisser dans ce message si beau. Et puis, j'espère que ça vous aide en quelque part. Et je vous laisse parce que je vais y aller me mettre quelque chose dans les piqûres de moustiques en ce moment. Donc, regardez soin de vous, soyez heureux. Et je vous dis à très vite, mes très chers amis.